Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui avec Isalis pour un haul Shein, parce que comme vous le savez, Isalis adore Shein et du coup il y a une bonne partie des vêtements quand même qui est pour Isalis. Parce que maintenant Isalis, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend dans la version XS ou la version petite du site, parce qu'il faut savoir que vous avez une version pour les personnes un petit peu plus petites sur le site ou les personnes un petit peu plus grandes que la moyenne. Et du coup elle prend sur en XS ou dans cette section là et du coup elle trouve son bonheur et elle craque absolument tout le temps. Donc on va vous montrer ce qu'on a choisi, moi en taille M et elle en taille XS. C'est parti. Un gilet, vous savez que j'adore les gilets, donc du coup j'ai pris un gilet mais je ne sais absolument pas comment il est. Par contre, oh si, il est tout doux. Comme d'habitude, je vous mettrai les photos du site et les prix pour que vous vous rendiez compte. On est sur un gilet. Ah, j'adore les manches. Elle va me le piquer. Il y a un moment, je me suis dit, dans pas longtemps, j'ai intérêt de profiter de mes vêtements parce que dans pas longtemps, elle va tout me piquer. Grave. Donc voilà, un petit gilet court comme ça. J'adore la couleur, j'adore la matière et j'adore les manches. Donc celui-ci, vous risquez de me voir très souvent avec. Je vais l'essayer, je vais vous montrer, mais franchement, il est trop mignon. En plus, je sais pas si vous verrez, mais les boutons sont carrés. C'est pas mal? Non, il est vraiment mignon. Allez! Ce gilet est plus que validé, il est super doux, j'adore la couleur, il est un petit peu court mais j'en avais pas, donc ça c'est très bien. J'aime bien les boutons, il est extrêmement bien fini, il est d'une qualité de dingue, j'aime beaucoup. Je pense que, comme je disais, vous allez vraiment me voir très souvent avec parce qu'il est super mimi. Donc ouvert ou fermé, je sais pas trop comment je le porterai, mais j'adore les manches, elles sont trop choupinées. Tu peux mettre tes mains dedans quand c'est pas froid. Ensuite, encore à toi. Ah, c'est encore moi. Par contre, je sais plus si on a pris beaucoup pour le printemps ou on est resté automne, enfin printemps, hiver. Moi j'ai plus pris été. Hein. Ouais, parce qu'en fait, il faut savoir que normalement, j'avais fait cette commande et je pensais la recevoir avant de partir aux Canaries. T'es pas gentille. Donc du coup, j'ai pris des robes et j'ai pris cette robe-là, qui n'est pas vraiment à son avantage parce qu'elle est toute froissée, mais qui est une robe, comme vous allez pouvoir le voir sur la photo, avec des petites manches bouffantes comme ça. Derrière, il y a un truc, je ne me souviens absolument jamais de comment ça s'appelle ce bazar. Hein. Bah, l'élastique, quoi. Oui, mais c'est un coup, vous verrez, derrière, le dos est ouvert comme ça. Je la trouve très très jolie. Alors après, au niveau de la matière, je ne saurais pas vous dire, ça doit être du polyester au taquet. Je ne sais pas si ça fait très synthétique. J'hésite entre le fait que ce soit synthétique et le côté un peu doux, satiné, tu vois. Je ne saurais pas trop dire si j'aime ou pas cette matière-là. Mais en tout cas, la robe est très originale et j'aime bien la couleur quand on est bronzé. Je trouve que c'est joli le bleu clair. Alors Isalis me dit que ça fait cucu pralin. Donc elle me dit que ça fait petite maison dans la prairie ou cendrillon. Même dans le dos, soit beau. Ah, oh non, j'aime pas du tout. Voilà, donc elle ne valide pas. Et moi non plus. Alors en plus parce que regardez. Non, celle-là elle va partir sur mon Vinted, si ça vous plaît. N'hésitez pas à checker de temps en temps parce que je sais pas quand est-ce que je vais les mettre à vendre, mais ouais, non. Pas du tout. Ah, it's for us. Ah yes. On va voir si ça fonctionne bien. Je pense pas pouvoir vous mettre une annotation maintenant, mais on vous en parlera sur Instagram. C'est une serviette pour les cheveux, vous savez, un turban. Nous on adore les turbans. C'est vrai que moi en général je les prends chez Decathlon, mais je trouve qu'elles vieillissent pas très très bien. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais. Ça devient un peu rêche. Et du coup j'ai vu ça sur Shein et j'étais curieuse de savoir si ça épongeait bien. Oh, c'est tout doux. Bah, je pense que ça va être pas mal. On vous en reparlera, mais franchement, il a l'air très bien. Donc vous avez un petit... Alors par contre, c'est pas élastique. Oh non. On est un peu chiante. Ça a tout gâché. Voilà. Elle a fait ça au niveau émotionnel. Grave. Donc en fait, vous faites le turban autour de vos cheveux et vous attachez avec le petit lien qui est ici. Je vais péter les doigts à faire ça. Ouais, alors le problème, c'est quand c'est pas élastique, c'est un... On va voir. On vous en reparle très bientôt. En tout cas, j'aime bien la matière et j'aime bien la couleur. Juste ça, là. Ça, c'est ça le... On n'est pas... tout gâché, mais non, il est moche. Mais non. Maintenant, il est nul, il est pourri. Mais non. T'exagères pas du tout, c'est bien. Non, c'est pour... C'est pour qui? M. Encore? It's for you, ouais. Mais j'ai l'impression qu'on a tout mis à moi sur le dessus. C'est pas grave. C'est pas grave. Ah. Une robinette encore. Tu te rappelles à peu près de ce que t'as commandé? Jamais. Parce que je pensais qu'elle allait arriver bien plus tôt. Donc le temps qu'elle arrive. Voilà. Donc là on est sur une robe avec un plissé sur la poitrine. J'aime bien ces robes là. Par contre la matière, je sais pas comment elle est pas ouf. Hein. J'aime bien. Ouais. Par contre j'aime bien les couleurs. Et vous avez un lien comme ça pour serrer sous la poitrine. Donc
avoir peut-être que porter. Elle est courte ou longue? Mi-longue. Peut-être que porter, c'est... peut-être que porter, c'est pas mal. Par contre, elle n'est pas doublée. On va voir à travers. Ça, c'est clair et net, regarde. Ben voilà. Tu peux être sûre que je ne la prendrai pas plus tard. Alors, celle-ci, Isalis me dit qu'elle est pas mal. Au niveau de la longueur, qu'est-ce que tu en penses, ma biche? Ça va, c'est bien. Est-ce qu'elle est transparente? Un peu, mais ça va. J'aime bien, moi, là. Le côté un peu froncé comme ça. Et le fait qu'elle soit croisée dans le dos. Bon, bien évidemment, on met pas ce style de soutien-gorge quand on met ces robes-là. Mais ouais, elle est mignonne. Elle est largement portable. Après, la longueur entre deux, comme ça, je sais pas, j'ai du mal. J'aime bien que c'est soit très long, soit. Mais entre deux. Ça va. Ça, je sais ce que c'est, je crois que c'est un top. Et je le trouvais très très mignon parce que déjà la couleur, j'en avais pas des comme ça. Et en fait, c'est un top comme ça avec des petits reliefs sur le tissu. Et la couleur, j'aimais bien. Et le côté sur les épaules, comme ça, je trouve ça très mignon. Avec un jean, ça peut être sympa, un jean blanc, ouais. Tu vois. Non, franchement, il est mignon. Et puis alors, le côté col en V, j'aime bien. On va voir ce que ça donne. Alors, ce petit top, bah moi j'aime bien. Je le porterai, ça c'est sûr. J'aime bien la couleur, ça change un petit peu. Il est mignon, je le porterai parce que pour l'été, je trouve que c'est sympa. Comme je disais, avec un pantalon blanc un peu ample. Ou... Ouais. C'est un peu comme le Bershka que tu as, mais en blanc. Ça peut être sympa. Un peu rentré comme ça. Ouais. Mais on en avait un. On en avait pris un à Jennifer. Non. Si. Non. Donc celui-là je le porterai, j'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime beaucoup la couleur. Je sais pas s'il existait en plusieurs couleurs, mais très mignon. Ah, j'avais oublié que j'avais pris ça. T'as pris ça toi? J'ai pas compris. Ça c'est le attends, top. Mais juste pour te dégoûter un peu hein. Ouais, c'est transparent, je sais. Très beaucoup. Et la matière est pas top. Mais c'était un ensemble et j'ai trouvé trop mignon le haut. C'était, ce n'est plus. Et vous avez le pantalon là. Le pantalon il est joli. C'est en fait mais un pantalon, tu sais, un peu. Ah ouais. Je sais pas si je porterai. Au pire, de toute façon, ce que je vais faire, c'est que si je porte pas maintenant, je mets sur mon Vinted à 1€ pour mes abonnés. Je vais faire un peu comme Missou. Elle fait ça. Si vous m'envoyez un message sur Vinted et qu'il y a quelque chose qui vous plaît, vous dites que vous êtes abonné et je vous le ferai à 1€. Voilà. Comme ça, au moins, tout le monde est content. Moi, si je porte pas, ça reste pas dans mes placards. En plus. Alors, Isalis ne valide pas le haut, mais valide le bas. Alors, je sais pas ce que vous en pensez. Le haut... Il n'est pas si moche. Ça va, mais avec le pantalon... Mais avec le pantalon, elle me dit, ça fait bizarre. Peut-être avec un jean, le haut, et le pantalon avec un body. Et voilà. Mais c'est vrai que le pantalon, il est vachement agréable à porter. Alors par contre, il est chelou parce qu'il est fendu des deux côtés. Voilà. C'est bien, ça. Ouais, je sais pas trop quoi en penser. C'est original. J'ai pas l'habitude, donc c'est peut-être pour ça. Mais autrement, pour l'été, ça doit être vachement agréable quand même. Je pense. Donc écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je sais pas si je valide ou pas. En tout cas, séparé, je pense que ça peut le faire. Ensemble, je sais pas si j'aime. Qu'on ne valide pas ensemble, mais peut-être séparé, ça peut être pas mal. Encore ? Mais oui ! Mais c'est pas possible ! Une robe ? Oh, non, c'est un top ça. Non, ça a l'air d'être une robe. Mais elle est minuscule. Elle est courte ! Elle est un peu, un tout petit peu beaucoup courte. Coup de vent et... Ah, voilà. C'est open bar. Ouais, je ne sais pas quoi vous dire. Elle est mignonne en plus, j'aime bien le tissu. C'est mignon. Oh, je suis deg. Peut-être qu'à toi ça étirait. Non. Pourquoi non? Mais si, court. Peut-être. Très court. Bah, trop court. Pour moi, oui, mais pas pour toi. Pour moi, si aussi. Bon, allez, on essaye, on va rigoler. C'est un peu court, ouais. C'est un peu beaucoup court. Mais autrement, c'était mignon, mais. Voilà, un coup de vent et... Marilyn Monroe. Non, tu connais pas. Donc, bon, elle est très bizarre ici. Très bizarre, mon fichu. Non. Peut-être en robe de plage. Tu vois, tu mets ton moyen de bain, vite fait, comme ça. En robe de plage, ça peut passer. Mais en robe de ville, never. C'est pour qui? C'est pour you. Encore? Ah, mais tu vas dire ça à chaque fois? Mais oui. Ah, un maillot de bing. Alors, je le trouvais original. C'est un peu chelou, quand même. Il est bizarre, ouais. Ouais, attendez, parce que j'ai l'impression que c'est un puzzle. Faut mettre les... Voilà, donc vous verrez les photos du site, ça sera bien plus parlant. En tout cas, on est sur un maillot de bain comme ça, avec des armatures. Pourquoi ils l'ont mis de... Il est décalé. Oh, ah ouais, mais non, les gars, vous avez mal géré. C'est quoi cette culotte aussi? Ils ont pas cousu bien. Et en fait, les armatures, elles sont en décalé. Et voilà quoi. Ah, ça va être catastrophique. Merde. Ah ouais, non, il est pas... Oh my god. Hideux. Bon, j'ai essayé quand même, hein.
Mais j'ai peur. Aïe. Ah, pardon. Alors, c'est très très chelou. Là, c'est chelou. Pourquoi ils ont décalé la couture? Ça aurait été droit, ça aurait été joli en fait. Parce que finalement, dans l'absolu, il est pas moche le maillot de bain. Mais s'il est cousu là. Moi, en fait, j'aime pas au niveau bas déjà là. J'aime pas les bretelles, elles sont bizarres. Voilà, c'est dommage. C'est dommage. Alors après, on peut les serrer, je pense, les bretelles pour qu'elles soient moins larges, tu vois. Regarde, tu fais comme ça. Mais en fait, non, c'est juste ça. T'aimes pas ça là. Mais là, pourquoi ils ont fait ça là? Ça. Parce que ça aurait été en décalé comme ça, ça aurait été sympa, regarde, ça aurait été plus joli. Et là, non. C'est n'importe quoi. Ça, j'ai pris pour mon mari. Pas pour qu'il me tape, hein. Mais pour qu'il. Comme dans réponse. Avec la casserole, là, ça. Ouais, c'est ça. Alors, attendez. Hop, c'est une maxi spatule parce qu'il se fait des œufs le matin. Et comme il s'en fait deux, je me suis dit pour prendre les deux œufs d'un coup. Franchement, super achat. Achat de l'année 2022, quand même. Mais ça a l'air bien. Moi, je vais m'en servir comme éventail. Hein. Tu rigoles. Non, mais regarde, tu fais des pancakes. C'est quoi cette imitation de pancakes? Tu sais, parce que quand tu en retournes un pancake, quand il n'est pas cuit sur le dessus, ça fait clac. Bah avant c'était schlag, maintenant c'est claque quoi. Ouais, schlag, claque, pareil. Non mais tu vois, ça doit être vachement bien. En plus, vous voyez, c'est flexible et tout. Non, ça a l'air cool. T'es pas convaincue? Non. Oh, mon maillot de bain. Tu vois, j'ai pris encore un maillot de bain parce que je pensais l'avoir pour partir. Ah, celui-là, il a l'air mieux. Tu vois, c'est comme ça. C'est bon, juste la claque, il est bien un peu. Faut pas rester. Ah mince, ça rentre dans les fesses. On va pas noir sur noir, mais ouais. Voilà. Ah, ouais. Alors c'est la mode. C'est très moche. Bah, c'est pas ce que je préfère sur moi, on va dire, hein, pour être honnête. Je me retournerai pas quand je vais faire l'essayage, quoi. Je vais essayer le haut, mais je vous montrerai pas mon fessier de... pour pas que vous fassiez des cauchemars. Est-ce que je suis convaincue? Je ne suis pas certaine. Déjà, je vais pas me retourner parce que on a déjà vu assez d'horreurs pendant la guerre. Avec le haut, là, je sais pas. C'est pas moche, hein? C'est pas moche dans l'absolu. C'est pas... Non. T'aimes pas? Pourtant, je trouvais ça pas mal sur le site. Le haut, ça va, le bas, non. Le bas, non. Le haut, ça va, ça va. Et j'aime bien la matière comme ça, un petit peu... Bon, celui-ci, je mettrai pas le bas, donc je pense que le haut non plus. Je suis pas hyper à l'aise. En plus, ici, je sais pas si... C'est pas très, très serré. Donc du coup, forcément, j'ai l'impression que ça peut se barrer en deux secondes. Donc celui-là non plus, je le porterai pas. Oh, celle-là, je sais que j'avais trouvé mignonne. C'est un... Ah, c'est la même couleur que mon pull. Hein, c'est bien. Non, elle est mignonne. Elle est mignonne, on est sur des manches 3 quarts et vous voyez le tissu, il y a des petits points dedans. Et en bas, vous avez de la dentelle. Merci assistante. De rien. Du coup, voilà, elle est très mignonne. Vous avez un petit lien ici que vous pouvez laisser ouvert ou pas. Un col en V. Non, elle est très... Enfin, ça fait très qualitatif. Elle est mignonne. Hein, là, je la porterai, je pense. Pas vraiment de forme, en fait. Moyen, parce que là, je trouve que... Bon, voilà, j'ai été coupée par mon cher et tendre. Je sais pas. Je sais pas, j'attends vos avis en commentaire parce que franchement, le côté pas ceinturé franc, ça me dérange un petit peu. Je trouve que ça donne pas vraiment de forme au corps, mais, en fait. Attends, derrière, au niveau de la ceinture, quoi, ça aurait été mieux. Ben voilà. Tu vois, et là, ça fait un peu, peu difforme, quoi. Ah, je suis entre deux. Ah! Ah. Les papiers qui tournent. Ah, j'aime pas. Je crois pas que j'aime en fait. Pourquoi ils ont fait ça en bas? Ah! Pourquoi c'est ça? J'avais pas vu ça. Je croyais qu'en fait c'était à moi de le faire. Non, c'est cousu. Non! Mais si! Vous avez tout gâché, hein. Ah ouais. Encore, par contre, il est très élastique. Ah! Ça c'est cool. Bon, écoutez, je vais essayer. Ah, je l'ai la mort! Oh. Ah, ça pue, hein. Donc du coup, au niveau d'épaissier, ça donne ça. Je sais pas s'il est pas un peu push-up parce qu'il y a la couture sur le côté. Mais par contre, alors moi, le bas, pourquoi ils ont fait ça? Pas bien, ça. Hein? Bon, j'essaye, je vous montre. Hein. Bon, alors le jean, écoutez, je sais pas si je le mettrais parce qu'il est quand même vachement élastique, vachement confortable. Parce que par contre, je trouve qu'il est trop grand. C'est-à-dire que je sais pas si vous verrez, mais ça flotte. Et du coup, ici, ça fait des plis, allez, regarde. Oui. Ça fait chelou. Oui. Hein? Mais même là, c'est quoi ça, les traits qui... Ah, mais c'est parce qu'ils font semblant qu'il est usé. Ouais, c'est pas ouf. Hein. Ouais. Même le... C'est délavé, mais délavé grossier. C'est pas ouf. C'est con parce qu'il est hyper court. Peut-être pour rester à la maison. Ouais, voilà. Peut-être. Un jean de dépannage, quoi. Ouais, et voilà. Un jean de dépannage. Parfait, ça. Jean de dépannage. Ensuite, soutien gorge. J'ai pris un lot de soutien gorge. Parce que clairement, je galère en ce moment avec les soutien gorge. Donc vous avez combien? 3 à l'intérieur. Oh, je déteste quand il y a ça à l'intérieur, là. Regarde, les coussinets qu'ils me mettent, là. Regardez ça. Il y a la moitié du bonnet qui est déjà rempli. Ça sert à quoi? À rien. Ah, par contre, ce qui est bien, c'est qu'on peut le mettre sans bretelles aussi. Je vous mettrai une annotation. Je vais pas l'essayer, bien évidemment. Je vous mettrai une annotation pour vous dire si c'est bien ou pas.
En tout cas, vous avez des bandes agrippantes ici, comme ça vous pouvez enlever les bretelles et le transformer en soutien-gorge sans bretelles. Les bretelles sont avec des petits trucs comme ça en métal, donc ça c'est très très bien parce que ça tient très bien dans le temps. Mais par contre, les gars, des coussins comme ça, je veux pas avoir des... Je vais m'étouffer comme ça, je vais faire comme ça. Ça va remonter au taquet. Mes nichons, ils vont déborder. T'as jamais essayé des trucs comme ça, toi? Ah non. Alors maintenant, je crois que c'est plus qu'à moi maintenant. Ah, elle est contente. Oui. Il faudra faire un point. Donc, on est sur une petite robe longue. Oui. Ouais, l'air de dire, ouais, toi, c'est la grosse dose que t'as pris et moi, c'est le plus joli. On est sur une robe comme ça avec des manches, c'est quoi, chauve-souris on appelle ça, col en V, par contre il faudra faire un point parce que c'est très décolleté. Et elle est longue avec des grands volants, ça fait un peu bohème en fait, elle est jolie hein. Et je pense que ça va être un chouïa grand pour toi mamiche. Non. Si. Alors voilà pour la robe, alors les Alice aiment beaucoup, faudra juste faire un point au niveau du décolleté. Non ma bichette. Là, ouais. Autrement pas trop long. Hein, j'ai l'impression de pas avoir de manches en fait. Ouais, c'est ça en fait, c'est parce que c'est des manches hyper... Et puis la matière est légère, ouais. Donc... Non, elle est mignonne. Elle est mignonne comme tout. Tu valides ? C'est moi qui choisis, oui. Bon bah voilà, elle valide. T'as pris dans petit ou t'as juste pris XS ? XS. Waouh ! Mais quoi ? Alors, robe longue blanche avec des dentelles. Ce qui est bien, c'est que les bretelles sont réglables. Vous avez une petite fermeture à l'arrière. C'est pas une finition de ouf. Vous avez une petite fermeture invisible à l'arrière. Elle est mignonne comme tout, avec des petites bretelles fines comme ça. À voir comment ça taille. Comme t'as pris XS, je suis pas sûre que ça soit pas un peu trop long. Moi je te dis que non. En serrant les bretelles au taquet peut-être. Moi je te dis que non. Moi je te dis que non. Tu valides? Ah bah hey. Elle est douce en plus à moitié. À moitié seulement. À moitié. Elle est entre douce et pas douce. Et voilà. Donc c'est pas mal. Franchement, elle est doublée en fait, là. Ouais. Elle est doublée jusque là en fait. Non, c'est pas choquant. Pardon, j'ai pas rasé les ongles. Donc voilà, tu valides. Elle est jolie, très jolie. Elle est, la matière est très sympa. Là, on est sur une robe asymétrique. J'aime pas du tout la... Si ? La matière ? Ah si, remarque. J'avais peur que ça fasse un peu blouse de mamie, mais non, pas du tout. Elle est plus longue derrière que devant, col en V, des petites dentelles, des manches un petit peu volantées comme ça, la taille en dentelle aussi, et puis blanche avec des roses dessus. Voilà, donc il y a des roses rouges aussi. Ah, ah. Non, je suis pas jalouse, elle est trop grande. Non, elle est trop grande. T'es jalouse? Non. Si. On peut pas faire de points sur celle-là en plus. T'es jalouse, je l'ai dit, t'es jalouse. Elle est jolie, mais elle est un chouïa transparente quand même. Et ouais. Et elle est un peu grande. Donc un peu trop grande pour elle. Mais autrement, elle est de bonne qualité, mais elle est un peu transparente. Mais t'arrêtes avec tes sacs là. Celle-là, elle fait blouse de mamie au niveau de la... Mais non. Donc on est sur une petite... Elle va être transparente. Elle va être transparente, ça va le faire. Donc une petite robe comme ça qui se ferme à l'arrière avec un gros nœud. Donc vous avez un aspect un petit peu dos nu qui est mignon comme tout. Col en V, par contre pas du tout doublé. La matière est très légère, très fluide. Je pense que ça doit pas froisser facilement en plus. Donc ça c'est plutôt cool. Et puis en été tu le sens pas. Ça c'est un tissu, il est hyper léger. Ça a l'air mignon comme tout. Par contre j'ai un peu peur de la transparence. Non, elle est mignonne. Elle est très mignonne et le dos est très mignon aussi. Voilà. Franchement, elle est vraiment très sympa. Elle a pas l'air transparente. Non. Et elle est à ta taille. Donc celle-là, elle est très jolie, ma biche. Hein ? On valide. Enfin, moi, je valide. Qu'est-ce que t'en penses ? Ouais, c'est bien. Voilà, c'est bien, c'est bien. Ah, oh, dis, c'est bien. C'est bien. Une petite robe rouge toute simple. C'est smoky, c'est pas ça qu'on dit, smoky. Je m'en rappelle plus. Voilà, donc une petite robe rouge comme ça. Pareil, ça fait un peu penser à la même matière. Non, ça fait un peu plus plastique celle-là. Donc du coup, avec des bretelles qu'on doit nouer sur les épaules, elle est plus courte que l'autre. Et voilà, beaucoup plus simple en fait, avec ce côté élastique sur la poitrine. À voir. Mais j'ai l'impression que les bretelles devant sont un peu rapprochées. Tu sais, ça fait bizarre quand c'est trop rapproché. Je sais pas. Bon. On verra. J'ai repris des petites houppettes pour la poudre comme ça, dont je vous avais parlé dans ma vidéo où je testais le maquillage Shein. Des petites houppettes pour la poudre. Elles sont top. Je n'utilise plus que ça. C'est pour ça que j'en ai recommandé. Elles sont géniales. Ah, elle est jolie celle-là. Je vais peut-être me la prendre pour moi. Ah, oh, jamais de la vie. Non, mais t'as trop cru, toi. Non, mais je vais m'apprendre à ma taille. Ah, j'ai cru que t'allais la piquer dans mon placard. Mais je rentre pas dedans, ma biche. Mais si tu rentrerais dedans. Elle est jolie.
Elle est trop jolie. Elle est très très belle. Et je sais pas si elle est pas un peu doublée celle-là. Pas devant. Pas devant, je pense pas, parce qu'il y a l'air d'avoir un double. Ouais. Mais c'est pas très grave, ça c'est pour aller à la plage, par exemple, tu mets le maillot en dessous. Voilà quoi. Voilà. Tu l'essayes ? Allez, c'est parti. Alors, elle est très 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 jolie. Mais vraiment très jolie. Mais par contre, elle est chouïa trop longue. Recule un petit peu, ma biche. Trop longue. Mais autrement, c'est chouette, hein. Elle est jolie, hein. Ah ouais, le dos est magnifique. C'est dommage. C'est dommage parce que je pense que l'année prochaine, sera parfaite. Hein ? Tu la gardes de toute façon. Mais grave. Ah ouais. Ouais. On vous la conseille. Celle-là, elle est super jolie. Vraiment. Hein ? Elle a un super style. Donc voilà pour les essayages. On vous a tout montré. On a des petits coups de cœur, des petites déceptions aussi. N'hésitez pas à nous dire quelle pièce vous avez préférée en commentaire. En tout cas, voilà. J'ai essayé les soutiens-gorge hors caméra. Mais vegan. J'avais l'impression d'avoir gagné 3 tailles de soutien-gorge. Alors moi, c'est pas mon kiff, mais par contre, si vous avez une petite poitrine et que vous êtes complexée, peut-être que ce sont des soutiens-gorge qui, par contre, peuvent vous convenir parce que ça vous apporte du volume, en fait, supplémentaire. Ça fait tricher un petit peu beaucoup, quand même. Hein. Donc, voilà pour les essayages. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, cliquez sur ma tête qui va apparaître juste ici. Et nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. On vous fait des bisous.